Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le lundi 28 novembre 2022. Ce matin, en direct et en exclusivité, monsieur Sankara Bin Katumwa, c'est ça? Katumwa. Ouais. Militant du mouvement citoyen. Lucha, je vais vous porter c'est pour la lucha. Ouais, c'est pour la lucha. Lutte pour les changements. Mais la lucha existe encore. La lucha ne finira jamais parce que la lucha c'est un mouvement de fait. Mm-hmm. Et chaque jour, il y a toujours des faits auxquels la lucha doit faire face. Non, là, les faits ne se terminent jamais. Je sais que la lucha existe, mais la lucha a perdu sa force. Hein. Mais c'est pas tout ce que chacun appelle force. Ben, la lucha. On ne parle plus trop de la lucha. On n'a pas besoin de parler de la lucha, mais on a besoin des actes, des résultats que la lucha est en train de faire. Et les résultats sont là, tout le monde est en train de les voir. Mouvement citoyen, parti politique, groupe de pression, groupe de défense, ou bien c'est quoi? La lucha, c'est un mouvement citoyen, non partisan et non violent. Contre Kabila. La lucha n'a jamais été contre un individu. Vous avez en 2018, monsieur Sankara. C'est parce que ce que faisait Kabila était contre de la constitution, était contre la volonté du peuple. Alors, on s'attaquait aux bêtises de Kabila et non à la personne de Kabila. Bon, ça, ce n'est pas le sujet, monsieur Sankara. On vous voit parmi les jeunes à Goma, très engagés, très déterminés. Très actif en tout cas dans toutes les mobilisations, marchés, manifestations à Goma. Aujourd'hui, tous les médias internationaux parlent de toi. On a encore le privilège de vous recevoir en tout cas chez nous en exclusivité pour la deuxième fois en direct sur Congo Live Télévision. Aujourd'hui, on va parler sécurité et parler un peu de vous. Mais je préfère qu'on parle d'abord sécurité. Peut-être la prochaine interview, on fera avec vous. On parlera un peu de vous, de votre parcours. Parce que j'ai l'impression que vous avez un parcours très impressionnant. Alors, l'actualité au Nord Kivu reste dominée par la poursuite des affrontements dans les Rutshuru entre les FARDC et les M23. Mais le week-end, on a vu en tout cas un calme sur toutes les lignes de front. Comment vous analysez cette guerre, monsieur Sankara? On a vu d'abord la décision de Luanda qui n'a pas été respectée par les M23. On les a appelés, là je parle des rebelles, on les a appelés de cesser les faits, de se retirer dans des zones occupées. Comment vous analysez cela? Nous continuons à dire merci à nos FARDC qui continuent à se comporter bien en front. Dans les interviews passées, on avait bien souligné que l'armée peut vaincre la guerre si le peuple est derrière cette armée. Le seul allié que nous avons, nous, la RDC, c'est nous-mêmes. Vous-même qui? C'est nous-mêmes les Congolais, on n'a pas d'alliés. On a des alliés à l'étranger. Les alliés que vous êtes en train de nous parler, ils ont déjà montré leurs limites avec le cessez-le-feu de Luanda. Ils ont dit jusqu'à 18h, les M23 doivent se retirer partout où ils sont. Mais à l'heure où je te parle, les M23 contrôlent encore beaucoup de cités. Malgré le cessez-le-feu qui reste une lettre morte, pour dire que nous-mêmes nous allons nous libérer. Nous-mêmes, nous allons nous aligner derrière nos FARDC et la victoire sera à nous. Selon vous, pourquoi les M23 ne se retirent pas, ne suivent pas ce qui a été dit à Luanda? Un dicton africain a toujours dit, si tu vois un chien sur l'arbre, or le chien ne monte pas, il y a quelqu'un qui l'a fait monter là. Si, ce qui veut dire, si les M23 continuent à montrer des gros dos, c'est parce qu'il y a un petit monsieur qu'on appelle Paul Kagame, le président. S'il vous plaît, c'est le chef de l'État, monsieur Sankara. Le président rwandais, alors il faut préciser quand même.
Il ne suffit pas d'être président rwandais. Il est petit monsieur parce que malgré tout ce qu'il peut avoir, il a déjà fait des millions de morts en RDC de Congo. Avec ça, vous voulez que je lui appelle grand? Avec tout ce qu'il est en train d'orchestrer à l'est de la République démocratique du Congo, des viols, des pillages, vous voulez que je lui appelle grand? Quelle bêtise! Ce qui veut dire, si la M23 continue de résister, c'est parce qu'il y a un petit monsieur appelé Paul Kagame, permettez, laissez-moi terminer. Appelé Paul Kagame, qui est en train de le dire, de continuer de résister. Mais vous avez suivi quand même, s'il vous plaît, vous avez suivi la déclaration du président rwandais Paul Kagame, lui qui a dit qu'il va également s'impliquer pour que. C'est parce que. On a tous besoin, selon lui également, c'est pas seulement selon lui, on a tous besoin de la paix dans la région des Grands Lacs. Voilà pourquoi Kagame aussi, le chef de l'État rwandais, a précisé qu'il va aussi s'impliquer et demander à ces gens-là de se retirer. Pourquoi encore vous semblez les pointer du doigt? Ça, c'est la sagesse du marabout que Paul Kagame continue de faire. Oh. Il continue de dire qu'il va s'impliquer. Il est en train de jouer. Un pompier pyromane, il allume le feu et puis il veut vouloir venir faire le secours. On n'est plus des enfants, on a tout compris. On a tout compris que c'est Paul Kagame qui est derrière les M23. Ce n'est plus un secret. Il y a beaucoup de rapports des Nations Unies, il y a beaucoup de rapports des experts qui sont en train de les témoigner. Vous voulez dire que tous ceux qui sont en train de faire sortir ces rapports, jour et nuit, sont des fous? Tout le monde ne peut jamais avoir raison. Aujourd'hui, on devient l'homme fort de la région. Là, on ne devient pas fort quand on écrase d'autres personnes. On devient grand, on devient fort quand on aide d'autres personnes à évoluer. Regardez, les hommes forts de l'époque, c'était comme Kadhafi. Il était grand, il a aidé. Il était dictateur. Ça dépend de tout ce qu'on appelle dictature. Moi, je ne sais pas quand vous êtes en train d'aider votre pays à évoluer, quand il y a la gratuité qui est de l'enseignement, quand tout le monde est en train de vivre comme il faut, comme ça il faut te taxer dictateur. Et avec nos pays où il y a la démocratie, qu'est-ce que ça nous donne? La gratuité qui n'avance pas, l'état des choses qui est en train d'échouer, tout ça c'est dans la démocratie. Le choix est clair entre la démocratie qui est en train de tuer ses citoyens et la dictature qui est en train d'aider ses citoyens. Si je comprends bien, vous proposez qu'on passe à un régime autoritaire. Si vraiment ça va avantager les peuples congolais. La décision appartient au peuple. Si le peuple va le décider, que bon, vie. On a fait ça depuis longtemps, ça ne nous avantage pas. Si le peuple, bien sûr, va le décider. Mais au XXIe siècle, on n'a plus encore droit de la dictature. Nous voulons exprimer ce que nous voulons. La dictature n'existera plus en République démocratique du Congo. Ah, d'accord, c'est vous qui le dites. Alors, parlons de cette mobilisation du week-end dernier à Goma. On a vu encore des milliers de personnes défiler dans la rue de Goma contre les Rwandais et contre la communauté internationale. Certains même sont partis au consulat français et britannique pour déposer un mémoire contenant les réclamations. Pourquoi la cible des Occidentaux? La cible des Occidentaux parce qu'il y a d'abord deux poids, deux mesures. Il faut le souligner. Nous sommes agressés, mais l'embargo continue de résister. Quand je parle de l'Occidentaux, moi, ça me fait bien quand je parle des conseils des Nations Unies. C'est eux les patrons de tous ceux qui sont en train de se passer. Comment expliquer quelqu'un qu'on est en train de battre et puis vous ne voulez pas lui donner le droit de se défendre aussi. Au moment où tant de rapports montrent que ces mêmes M23, ils ont des armes sophistiquées, ils étaient où? Alors, quand les rebelles ont des armes sophistiquées, nous, on nous refuse de nous défendre. C'est anormal. Et c'est pourquoi on a dit à la communauté internationale, vous devez faire gaffe. Vous devez vous déterminer. Parlons aussi de cette actualité ce matin. Nous l'avons appris. Pareco FF, une dissidence qui vient de voir le jour à Masisi avec pour objectif, selon ses fondateurs, combattre les M23 et alliés. À la tête de cette formation armée se trouve un ancien leader du M23, M. Sendougou,
celui-ci dit vouloir prêter mes forts toyers fardés. Comment vous analysez cela? Ce que nous pouvons dire, c'est quoi? Bien sûr, tout le monde en a marre de ce qui est en train de se passer au Congo. L'important ne suffit pas de donner des déclarations. L'important, c'est l'intention de ces messieurs. L'article 63 est clair de notre constitution. Quand il y a l'agression, tout Congolais de son nom est appelé à défendre l'intégrité territoriale. Et c'est là où la constitution semble un peu laisser quelques formes qui sont des brèches. Parce que la constitution ne détermine comment tu vas défendre votre terre face à l'agression. Pour dire, tout Congolais est appelé de défendre dans n'importe quel moyen. Si ça sera par machette. Donc vous soutenez l'idée, hein? L'intention, c'est celle que je soutiens. Oui. L'intention de vouloir combattre les M23, comme nous tous. Chacun est en train de combattre les M23 dans des différents niveaux. Merci beaucoup. La France renforce la collaboration ou alors sa collaboration militaire avec les Rwandais. En tout cas, un patron des renseignements militaires français, M. Jacques, se rendra à Kigali fin novembre. Ça crée voilà, des vives réactions sur les réseaux sociaux. Comment vous analysez cela? C'est la chose que je continue de dire, que la communauté internationale doit faire gaffe. La communauté internationale doit apprendre à nous respecter, nous les Congolais. D'ici là, on va quitter les stades des mémos, les stades des dénoncés, on va passer par les actions. Les actions, c'est-à-dire? Les actions, ça veut dire nous sommes capables, nous les peuples, de fermer leurs consulats, leurs ambassades. Et vous comptez faire Parce que c'est anormal. C'est anormal de continuer de collaborer avec un pays auquel vous êtes en train d'indexer les mêmes moments. C'est anormal. Et comment comprendre cet acte? C'est pourquoi nous avons dit, le seul allié que nous avons, ce n'est pas la France, ce n'est même pas les États-Unis, c'est nous les peuples. Vous savez, la France fait partie des alliés, des partenaires privilégiés de la RDC. Un partenaire, c'est quelqu'un qui doit vous aider lorsque vous êtes en problème. Bon, aujourd'hui, il y a une bonne coopération entre Kigali, disons entre Kinshasa et Paris. Hein. Il fallait me dire peut-être qu'il y a coopération entre Tshisekedi et Paris, et non nous, la République démocratique du Congo. Peut-être des coopérations non, qui existent. Qui existent. Tshisekedi, c'est le premier citoyen, c'est le commandant suprême. Il nous représente déjà. L'article 12 de la Constitution est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Chercher à dire premier citoyen, et puis moi, je suis 50e citoyen. Ma mère savoir. Qui est au village, le 50e citoyen. C'est à toi de savoir, ça, mais on a un président de la ça République. Ça sont les langages un peu à caractère discriminatoire quand on lui appelle premier citoyen. Oui, or, la loi est claire. Nous tous, on est égaux devant la loi. Égaux, mais il y a quand même, c'est pas pourri, on organise des élections parce qu'on sait qu'on doit avoir les dirigeants. Les dirigeants, est-ce que vous savez qu'il est notre travail? C'est nous les oui, boss. Ça, on sait. Alors, si on peut parler à titre de supériorité, donc les supérieurs, c'est nous les peuples. Parce que c'est Tshisekedi qui travaille pour nous. Oui, travaille pour la République. La République, c'est le peuple. Il n'y a pas la République sans la population, sans les citoyens. D'accord, je vous rappelle que le président Tshisekedi, il est le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême. Ah, c'est ça. Parlons aussi de cette actualité. Au moins 40 rebelles du groupe armé Front National de la Libération, FNL, ont été en tout cas tués par les forces armées de la RDC-FRDC conjointement avec les forces de défense nationale du Burundi, FNDB. C'était en tout cas lors d'une opération menée le 25 novembre dernier. Dans une adresse à la presse hier dimanche, les lieutenants Marc Elongo, porte-parole du secteur opérationnel Sokolade, Sud Kivu, indique que ce groupe armée étrangère a été délogée des quatre collines surplombant la localité de Nabibo. Il a dit, je cite, « La task force FRDC FNDB a mené une opération offensive à haute intensité contre les groupes armés FNL dirigés par le général burundais autoproclamé Alios Zamba Pema. »
l'attaque a attaqué farouchement l'ennemi et lui déloger de toutes les quatre collines. En tout cas, ici, c'est une bonne nouvelle annoncée par les forces armées de la RDC. 40 rebelles neutralisés, c'est-à-dire tués. C'est quelque chose à féliciter. Il ne suffit pas de communiquer. Oui. 40 rebelles, sur combien? Après combien de jours? Mais quand même... Vous vouliez qu'on vous annonce combien? Chiffre des millions? Nous n'avons pas besoin d'autant de nombres qu'on serait en train de nous dire on a tué 10, on a tué 15. Au moment où les mêmes localités continuent d'être occupées par ces aventuriers, ce que nous avons besoin, c'est le résultat final. Voilà, on a combattu, il y a autant de localités qui étaient sous menace et aujourd'hui le drapeau est en train de flotter ça. Ce sont des nouvelles que nous avons besoin d'écouter. Avec cette ce nouvelle, qui nous intéresse, oui. Ce sont des résultats finaux. Parce que l'important, ce n'est pas de gagner des batailles et perdre la guerre. L'important, c'est de gagner la guerre. Ouais. D'accord. Il y a également cette bonne nouvelle qui nous vient de Béni, ou en tout cas, une trentaine d'otages, parmi lesquels des femmes et des enfants, ont été libérés par l'armée congolaise des mains des rebelles ADF. C'était le vendredi dans la vallée de Mwalika, au sud du territoire de Béni, annonce les porte-parole militaires dans la zone, qui dit que l'opération de sauvetage a été réalisée lors des rounds de l'armée contre des positions des assaillants le long de la rivière Semouliki et Aka Kanyavu Ngiri, affirmait des témoins. Ce sont des bonnes nouvelles également à Béni. Hein? Ce sont des bonnes nouvelles, tout simplement parce que la population est en train de travailler mais dans la main avec notre armée. Et c'est pourquoi partout, ce sont des exploits que nous sommes en train de faire. Nous l'avons dit et on continuera toujours de le dire que l'armée réussit la guerre car elle est en train de travailler avec la population. Et nous sommes déterminés que comme on n'a pas des alliés, mais nous avons quand même nos consciences, mais nous avons quand même l'héritage commun qui est la République démocratique du Congo. D'accord. Et on ne le cédera à personne. Le processus de Nairobi sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le troisième dialogue inter-congolais débute en tout cas ce lundi à Nairobi. Plusieurs groupes armés sont invités, vont prendre à ce processus. On a vu d'ailleurs le président burundais, M. Ndayishimiye, qui s'est rendu. Il a été reçu d'ailleurs hier dimanche par son homologue, M. Ruto. Qu'est-ce qu'on peut attendre, espérer de ces assises, Monsieur Sankara, vous en tant que fils du Nord Kivu, parce qu'on a tous besoin de la paix dans cette partie est du Congo, en proie des violences des groupes armés depuis plus de 20 ans. Ce qui a poussé ses compatriotes à prendre les armes, ce sont des frustrations. Alors, nous pensons que les revendications, parce que ce sont les fils du pays, les revendications, ils vont donner leur cahier de charges. Donc, quand il y a frustration, il faut prendre les armes, c'est ça? Il ne faut pas prendre les armes. Ce qui veut dire tout simplement que nous tous, nous ne gérons pas nos frustrations de la même moment. Est-ce que peu importe la frustration? C'est pourquoi moi-même, je suis frustré, mais pourquoi je n'ai pas intégré n'importe quel groupe armé? J'ai mieux de terminer mes frustrations en intégrant la lucha, là où je serai en train de revendiquer mes droits. La lucha accusée aussi. Là où je serai en train de revendiquer mes droits dans la non-violence. La lucha aussi accusée d'être un mouvement de jeunes manipulés. On ne sait pas où la vient déjà. Il est vrai, nous la lucha, nous sommes manipulés par nos consciences. Nous sommes manipulés, par la constitution qui nous donne ces privilèges de revendiquer nos droits. Maintenant, si le processus de Nairobi qui s'ouvre aujourd'hui, et processus, le dialogue avec les groupes armés, hormis les M23, n'a pas été confié à ces dialogues, on ne comprend pas pourquoi. Les M23 ne sont pas des Congolais. Okay. C'est un dialogue qui va consister à parler aux groupes des fils du pays. Les M23 nous veulent d'hier. Ça, c'est l'agression. C'est un mouvement congolais, c'est l'OE. C'est l'OE. Mais c'est l'OE, la réalité, c'est pas un mouvement congolais. Et c'est pourquoi nous, en tant que LPM, nous avons dit on peut négocier avec tout le monde. Pas avec les M23. Mais pourquoi? On a besoin de la paix, mais au nom de la paix, on peut le faire, M. Sankara. On peut faire la paix avec les fils du pays. Et non avec les voisins. Ce sont les Rwandais. Et si c'est l'agression, ils viennent ici pour récupérer nos terres. Ils viennent ici pour piller nos richesses. Et c'est pourquoi les gens comme ça, on ne négocie pas avec eux.
Il faut les frapper. Et nous allons les frapper comme c'est l'habitude de 2013 à 2012. On va les faire. Les frapper avec quel moyen? Grande chose que nous avons, c'est la population. Nous avons aussi les armes. Et en 2013, on les a frappés avec quel moyen? N'est-ce pas que l'embargo existe? C'était à l'époque de Kabila. Ce n'était pas à l'époque de Kabila. C'était à l'époque du colonel Mamadou auquel... Les commandants suprêmes, c'était le président Joseph Kabila, je te rappelle juste. Est-ce que vous savez que l'embargo existe depuis des années? Depuis même l'époque de Kabila. Mais on a quand même réussi de vaincre les M23. Tout simplement parce que nous, la population des Est, on était déterminés de finir avec les M23. D'accord. Parlons politique un peu. Le calendrier a été rendu public sur la tenue des élections. 2023, la présidentielle est prévue en tout cas le 20 décembre 2023. Comment vous analysez cela? Nous avons suivi le calendrier électoral qui était publié. Sauf il y a quelque chose en cœur, on doit voir comment y corriger, car le patron de la CENI est en train de dire qu'il y aurait aussi possibilité de s'enrôler à partir de son smartphone. Une chose qui ne nous plaît pas, une chose qui nous donne de la chair de poule quand on se demande, alors quelle garantie nous pouvons avoir aux étrangers qui peuvent aussi s'enrôler à partir de leur téléphone? Quelle garantie on a mis parce que ça sera sous forme de l'application qu'on appelle CENI, auquel vous pouvez télécharger. Et même n'importe qui, n'importe qui peut télécharger cette application et s'enrôler. C'est une première, il faut la saluer. Une chose, vous voyez, il ne suffit pas de la saluer, mais on doit voir aussi une réalité de chez nous. Une chose qui commence à nous donner peur. Fraude électorale. Mais vous comprenez, vous ne voulez pas... Aux fraudes électorales. Aux fraudes électorales. Parce que jusque-là, on ne sait pas combien vont s'enrôler. On ne sait pas. On ne sait pas combien de personnes vont partir au centre. Moi, je pense que cela ne nous avantage pas. Cela ne nous avantage pas. Mais au-delà de ça, quand même, c'est la publication du calendrier, c'est quelque chose qui était attendu. Les gens n'ont pas crié à cela. Il y a certains d'ailleurs qui commençaient à dire non, voilà, le président Tshisekedi, c'est comme s'il va glisser, va organiser les élections. Mais lui, avec son gouvernement, avec la structure électorale et la CENI, c'est un peu déprouvé, ces Congolais-là. C'est quelque chose quand même qu'il faut encourager. C'est une bonne chose. Il y a déjà le calendrier électoral. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Et ça nous va malgré quelques lanquines auxquels on doit corriger et auxquels la CENI aussi doit tenir compte. Exemple, si on peut parler des personnes vivant avec handicap, le caractère du vote doit aussi être secret. Est-ce que la CENI a déjà pensé aux sourds-muets? Est-ce que la CENI a déjà aussi pensé aux aveugles? Parce qu'ils ont aussi droit de voter. Mais même s'ils vont dire qu'ils seront accompagnés, mais là, le vote ne serait plus secret. Or, ailleurs, il y a des possibilités auxquelles tout le monde, mais aussi, en fait, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut encore y revenir. Et nous pensons que comme c'est nous, la population, les patrons de la Respublica, nous allons faire des plaidoyers et ça va. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Mais on va se quitter par un message que vous allez adresser à l'armée congolaise. Notre message est simple. Nous vous aimons. Vous êtes nos héros. Bendele Koyate. Merci. C'est par ce message que nous arrivons à la fin de cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés. Je vous fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Bye bye.